Nous sommes à Boulangerie Brun de Chambretot. Nous sommes arrivés à Chambretot en 2009, à nous avoir pris l'entreprise. Moi, mon épouse Annabelle et deux apprentis. Aujourd'hui, nous sommes 15 avec les apprentis dans l'entreprise. Nous sommes à 3 km du Puy du Fou et on a eu le bonheur d'être médaillé plusieurs fois sur la brioche et d'autres produits tels que la tourte de meule, le complet bio, du coup qui a donné une visibilité à nos produits. La brioche est quand même un produit phare chez nous car on a été médaillé une dizaine de fois sur ces 15 dernières années. Ça nous a permis de mettre en lumière notre savoir-faire. Les concours sont très importants pour nous dans le sens où ça permet de faire évoluer en permanence les produits. Même si le produit n'est pas récompensé, il y a toujours eu un travail et le produit n'en est qu'amélioré. Tous ces concours, ça crée quand même une émulation au niveau de l'entreprise, ça permet de tirer tout le monde vers le haut. Pour moi, c'est très important qu'une entreprise artisanale puisse former ses apprentis, avoir des apprentis. La transmission du savoir-faire fait partie de l'obligation même de tout artisan. Pour moi, les trois maîtres mots de l'artisanat, c'est quand même savoir-faire, transmission et passion. Donc c'est important et c'est dans l'ADN de l'entreprise que notre lieu de travail soit un lieu de convivialité et de bonne humeur. En fin de compte, on essaie de faire évoluer les conditions de travail en permanence. On a refait tous les labos, on a agrandi la pâtisserie, on a fait en sorte d'avoir des horaires à peu près linéaires. On a mis en place le travail de journée parce que c'est pareil, ça répond aussi à la demande des clients dans le sens où leur consommation a changé par rapport à il y a quelques années. Quand on est bien au travail, on fait des beaux produits et forcément le client le ressent.